Paul TV est au Grand Quai dans le Vieux-Port de Montréal pour célébrer et faire découvrir ce bijou maritime de la métropole. Donc, qu'est-ce que l'objectif d'une soirée comme celle-ci? Ben, la soirée, célébrons en grand. On célèbre en grand parce qu'on est au Grand Quai du Port de Montréal. Et c'est vraiment pour remercier nos clients, pour remercier nos partenaires. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est ouvert. On reçoit des événements exceptionnels, que ce soit un gala, que ce soit un tournage, que ce soit une bar mitzvah, un salon, une exposition. Et donc, ce soir, on est entre 500 et 600 personnes du milieu événementiel. Donc, des clients, des partenaires d'affaires. Et pour nous, c'est vraiment de leur dire merci et de poursuivre la relation pour célébrer en grand au Grand Quai. Le Grand Quai, pour nous, c'est un incontournable. Le jour où ils ont annoncé la rénovation de ce lieu-là qui existe depuis plusieurs années, mais que là, maintenant qu'il a été mis à niveau, qu'il a été rénové, on peut en parler fièrement et on se compare aux grands ports internationaux. Donc, d'un niveau croisière, on est très fiers de ça. D'un niveau événementiel, salle de réception, c'est un endroit qu'on suggère à tous nos clients selon leur taille de groupe. Donc, c'est une option additionnelle par rapport à ce qu'il y a déjà à Montréal. Donc, ils ont maintenant plus de choix dans le Vieux-Montréal. Pourquoi vous choisissez cette salle-ci pour la tenue de vos événements? C'est des groupes de grande taille. Par exemple, on fait 2 fois par année une soirée de bruit de mer. Et c'est 1500 personnes qui ont reçu cet événement. Il n'y a aucune autre salle à Montréal qui peut nous accueillir. Mais aussi, j'ai beaucoup d'invités internationaux qui veulent profiter des belles vues que nous avons autour de cette salle. Mais aussi, formidable équipe du Grand Quai de Montréal. C'est tellement facile de travailler avec eux. Ils sont toujours accueillantes, faciles. Donc, en tant qu'organisatrice d'événements, je n'ai pas de soucis. Tout est fait par eux. Donc, c'est vraiment formidable de revenir ici. Je reviens chaque année. Qu'est-ce qui s'en vient ici au Grand Quai? Donc, le Grand Quai du Port de Montréal, pour compléter le projet, on a une tour d'observation qui est en construction. Pour l'été 2021, nous allons avoir une belle tour d'observation qui va être un observatoire avec une vue exceptionnelle sur Montréal, mais également une salle d'événements. Donc, le Grand Quai du Port de Montréal, la mission première, c'est d'accueillir les navires de croisière. 65 jours par année, on accueille des navires de croisière, mais après le reste de l'année, on peut accueillir des grands événements. On a le Terminal 1, super salle, jusqu'à 3000 personnes en cocktail. On a le pavillon où on se trouve, mais il y a également les sites extérieurs, le toit vert avec une vue sur Montréal, également la place des commencements. Donc, c'est un lieu assez exceptionnel et je suis très, très chanceux d'y travailler.